2020, nous qu'on est cap célébrer dans contexte confinement, nous prenons communiquer nous messe qui recommandé pour la messe. Tout d'abord, cette messe est recommandée en l'honneur du Sacré-Cœur pour Madame Madeleine Louis-Jean, Madame Juliette Louis-Jean, Cherlanda Durazon. Cette messe est recommandée pour tous les fidèles du Sacré-Cœur, les membres du conseil pastoral et du comité liturgique de la paroisse, Madame Eléonore Février, Madame Edmondine Chéry et famille, Marceline Oreste, Claudia Inosil, Yves-Rose Muscadet, Josette Alcide, Hélène et Jean-Médier Théodore et famille, Francesca et Jose Rodney Lamonge, Rouselaine Blanc et famille, Rudy Jobs, Medine Nicolas et ses enfants, Kent Germain, Rose Fatima Germain et son fils, Ralph Marcellus et famille, Figaro Chaudry, Lubin Roselinda, Marcia Fontus et sa fille Chelsea Fontus, Madame Lugens La Fortune et ses enfants, Jeanne Marcia et Huguette La Fortune, Monsieur et Madame Yves Olivier et famille, Mackinson, Kennedy, Clifford, Berlin, Toby, Stacy, Olivier, Marjorie, compère, Thérèse Borga et famille, Madame Josie Benoît, Kennedy et Kentia Joseph, Madame Alfred Marsan, Chris Ernie, Winnie, Daniel et Alexandre Borgela, Madame Aline Dorissant, Madame Dionès Saint-Simon et ses enfants Fritza, Alexandra, Grégui et ses petits-enfants, Gerta Nordé et famille, Aline B, Claudia Augustin, Mitza Coulange et famille, Gerda Mathieu, Lucette Légendre, Marie-Esther Mathieu et famille, Guerlain Mon Plaisir, Sonel Altema, Marie-Janine Mon Premier, Marie-Télina Nazaire, Madame Suzette Constant, Marie-Françoise Félix, Monsieur et Madame Sylvain François, Madame Muratat et famille, Jacqueline, Madame Jacqueline Charlien. Nous prions ce matin avec tous les groupes et toutes les chorales de la paroisse du Sacré-Cœur.
Eucharistique, Monseigneur Jean-Alfred Bénard, curé de la paroisse du Sacré-Cœur des Cailles, Révérend Père Vénère Rosier, vicaire de la paroisse du Sacré-Cœur, Révérend Père Brunage Pierre Michel, curé de la cathédrale des Cailles, chère sœur Rosette La Fortune, de la communauté Marie Immaculée Conception, chers séminaristes, frères et sœurs, fidèles de la paroisse du Sacré-Cœur des Cailles et fidèles des autres paroisses du diocèse, auditeurs, auditrices de la radio Télé Macaya et de la RMK. Mais tes messes-là, Rémi Jésia, Pagé Limit, Kouenali n'a délivré. On répète ensemble. Rémi Jésia, Pagé Limit, Kouenali n'a délivré. Anissa, Frère Maxemio, n'a fêté fête Sacré-Cœur dans un contexte qui est difficile en pile. Cause pandémie coronavirus là. Ça la cause d'où et n'a célébré avec une assemblée qui est totalement réduite. Mais ça n'a pas dû faire nous, pas quoi plus, dans le remède sans limite Christ là. Même Jean-Saint Paul écrit dans l'épître écrit Roméo. Romains chapitre 8, verset 35 et suivant. Dans la célébration de la messe là, Frère Maxemio, on nous fait le ronge à compliment pour Jésus-Christ qui s'est soustrémé tout bon vrai. Pendant qu'on a demandé, bon Dieu, montrez-nous, remets prochain, tant que Jésus qui remène à toute qu'elle. Bonne participation et bonne fête à vous tous. Monseigneur Jean-Alfred Bernard, curé de la paroisse, révérend père et ses présents, religieux, religieuses, frères et sœurs dans le Christ, fidèles et paroissiens, paroissiennes, l'amour de Dieu est pour tout le monde, mais seul le petit, c'est-à-dire ceux et celles qui croient sur un fardeau et qui sont à bout de souffle, comprennent et accueillent le message de l'espérance. À eux, le Christ propose de prendre son joug qui ne crase pas et qui libère. Préparons-nous, frères et sœurs bien-aimés, à vivre ce saint mystère tout en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Implorons la grâce et la miséricorde de Dieu.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles, plus des siècles. Soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a délivré de la maison d'esclavage du pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Vous saurez donc que le Seigneur, votre Dieu, est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour mille générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr et sa riposte est immédiate. Vous garderez donc les ordres, les commandements et les décrets que je vous prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dis-moi quoi chaque jour.
Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Mais bien aimé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, dans la foi, nous avons reconnu, présent parmi nous, l'amour de Dieu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Parole du Seigneur. Chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos
Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Père Vinel Rousier, vicaire de la paroisse, révérend Père, chère religieuse, cher abbé, fidèle de la paroisse du Sacré-Cœur et ceux des autres paroisses du diocèse qui sont en communion avec nous à travers la radio Mécontrée et Télémakaya qui nous écoutent et à travers les réseaux sociaux via la page Facebook du diocèse des Cayes, frères et sœurs dans le Christ. Cette année, nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur d'une façon très spéciale, dans un contexte combien difficile où la pandémie de la COVID-19 nous empêche de nous rassembler en foule, en grande quantité, en cette église, pour célébrer le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, mes frères et sœurs, cela ne nous empêche pas, là où nous sommes en ce moment, de recevoir toute la grâce, toute la bénédiction que nous procure cette solennité, cette conviction ou encore cette espérance doit habiter notre cœur. Et bien souvent, la parole de Dieu nous rappelle l'importance de vivre notre foi avec le cœur et non seulement avec des idées ou des sentiments qui ne traduiraient pas dans notre vie. Le cœur, nous dit la Bible, est le centre de notre être, le lieu de notre adhésion profonde à l'amour de Dieu et celui de notre ouverture aux autres. Et la solennité de la fête du Sacré-Cœur nous rappelle que notre Dieu a un cœur et qu'il souhaite entretenir une relation d'amour, une intimité profonde avec nous. Jésus ne désigne pas son cerveau, ni ses pieds, mais son cœur. Notre Dieu est un Dieu à cœur ouvert, qui nous aime et que nous pouvons aimer. Cette fête nous révèle aussi un Dieu toujours prêt à accueillir, qui invite à la rencontre et qui nous redit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai ». Matthieu chapitre 11, le verset 28. Le catéchisme de l'Église catholique affirme « Jésus nous a tous et chacun connu et aime durant sa vie, son agonie et sa passion, et il s'est livré pour chacun de nous. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. » Galates chapitre 2, le verset 20. Il nous a tous aimés d'un cœur humain. Pour cette raison, le cœur sacré de Jésus, transpercé par nos péchés et pour notre salut, est considéré comme le signe et le symbole éminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes, sans exception. Catéchisme de l'Église catholique, le numéro 478. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du très Sacré-Cœur de Jésus,
nous sommes appelés à voir comment Jésus nous a donné son cœur, un cœur débordant d'amour, comment il nous a tout donné par amour. En célébrant cette solennité, nous nous glorifions dans le cœur de Jésus, l'amour immaculé et merveilleux qui débordait comme une source de miséricorde et un trésor sans limite de l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs, depuis l'Ancien Testament, Dieu se présente comme l'allié, l'ami, le compagnon de notre route, de route de son peuple. Malgré les errances, les infidélités, les dérapages, les péchés de son peuple, le cœur de Dieu, depuis la Genèse, ne cesse de battre pour nous. Autrement dit, après la chute de nos premiers parents, Dieu ne s'est pas resté étranger. C'est pourquoi il a toujours manifesté son désir, tout en vouloir sauver son peuple. Voilà toute la tendresse de Dieu. Cette tendresse de Dieu est manifestée par celui qui donne sa vie pour elle, le Christ. Or, dans la première lecture, Moïse rappelle au peuple Israël que Dieu les a choisis pour être son peuple saint. Il leur dit que le Seigneur a mis son amour sur eux et les a choisis. Le Seigneur les a libérés de la maison de servitude, de l'esclavage d'Égypte. Cette image présentée à Israël est celle d'un Dieu miséricordieux. Oui, Dieu nous invite à l'aimer, car l'amour engendre l'amour et la fidélité. Aimez-vous les uns les autres avec le cœur du Christ, nous dit l'apôtre Saint Jean dans sa première lettre. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et nous pouvons dire, le nom propre de Dieu est amour. Il nous invite à nous plonger dans son amour en aimant nos frères et sœurs. Il nous invite aussi de bâtir nos relations avec les uns les autres. Nous sommes invités à bâtir sur l'amour, car là où il y a de l'amour, il y a Dieu. Donner de l'amour, c'est donner à Dieu ce que vous aimez. Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus exhorte ses disciples à prendre sur eux son joug, c'est-à-dire à prendre sur nous son amour. Personne ne peut être un disciple du Christ s'il ne prend pas sur lui le même amour de Jésus et ne cesse d'aimer comme il l'a fait. Oui, Jésus nous apporte le salut qui vient de la foi en lui. Cette foi se révèle dans la vie quotidienne et qui est faite de petites choses et qui pèse par son poids d'amour. Les plus humbles et les plus pauvres ont accès au règne de Dieu qui vient sur la terre. Et notre foi rend compte de l'espérance qui est en nous. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Le joug de Jésus ne blesse pas. Son fardeau est léger parce qu'il nous libère progressivement du poids de notre égoïsme et de notre agressivité. Jésus nous fait entrer dans une école d'amour. Sa loi d'amour nous donne la joie du royaume, l'allégresse de ceux qui se savent aimer et pardonner. Oui, parfois nous passons notre vie à courir
après le repos, après la stabilité, après des circonstances favorables où nous pourrions entrer dans le repos de Jésus. Mais Jésus nous invite ce matin à entrer dans l'humilité, dans la douceur et dans la croix que nous y pénétrons. Jésus nous apprend ce matin la douceur avec nous-mêmes, la douceur avec Dieu, la douceur avec les autres. Frères et sœurs, Jésus nous invite ce matin à regarder ses blessures et à déposer les nôtres dans les siennes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous connaissons toutes sortes de blessures dans notre société. La maladie, les persécutions, la division, l'indifférence, l'avidité, les meurtres, le mensonge et tout ce qui prive les plus faibles de leur dignité. Oui, dans les moments les plus difficiles, frères et sœurs, dans les passages ardus et ténébreux, dans les heures obscures comme ceux d'aujourd'hui où nous perdons nos repères sans savoir où nous allons, refugions-nous dans le cœur du Christ, notre véritable boussole. Nous devons avoir cette conviction que là où il y a de la douleur, là où il y a de la souffrance, là où il y a des épreuves, le cœur de Jésus est là. Personne n'est seul. Plus on est proche du cœur de Jésus, plus on perçoit ses joies et ses souffrances pour les hommes, les femmes et les enfants de ce monde. Et on reconnaît sa présence aujourd'hui comme hier à l'œuvre dans le monde. Plus nous sommes proches du cœur de Jésus, moins nous sommes indifférents à ce qui nous entoure, mais désireux de nous engager avec Jésus au cœur du monde, au service de sa mission. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus célèbre la vie à qui rien ne résiste. Le Sacré-Cœur de Jésus anime le monde à la manière du ferment dans la pâte et de la semence de la terre. Le Sacré-Cœur de Jésus bat au cœur du monde encroissé, au cœur du monde qui plonge dans la tristesse, dans le désespoir. Le cœur sacré, le Sacré-Cœur de Jésus dénoue les impasses, ouvre les portes, même les plus verrouillées, et il fait surgir la vie plus vivante que jamais. Telle est notre foi, telle est la bonne nouvelle, telle est la joie de l'Évangile. Le Sacré-Cœur de Jésus nous parle de l'amour du Seigneur pour nous. C'est un amour qui s'est donné sans réserve. En retour, nous aussi, nous devrions pouvoir nous donner l'amour les uns aux autres et donner véritablement notre cœur en servant et en aimant les autres sans hypocrisie. Dans cette situation actuelle de pandémie, nous devrions vraiment apprendre à donner notre cœur aux nécessiteux et en leur montrant notre amour et notre proximité. Oui, femme avec soeur, nous avons célébré la fête Sacré-Cœur dans un contexte si difficile, dans un contexte où nous ne sommes pas capables de rassembler pour nous manifester la foi dans le cœur sacré de Jésus. Nous-mêmes, qui écoutons à travers Radio Mencontré, à travers Télé Makaya et à travers Radio Makaya, en nous unique, dans le cœur sacré de Jésus, dans le cœur sacré de Jésus, pour nous déposer matin tout ça qui nous soudonne, tout fardeau qui est trop pour nous.
toute forme de maladie qui a ravagé la société noire, maladie qui est dans le cœur, nous. Maladie qui est dans l'esprit, nous. On nous dépose au bas Jésus matin, on nous dépose au cœur sacré, on nous consacre toute journée, ça, toute la vie, nous, en cœur sacré de Jésus, pour être capable d'orienter nous, pour être capable de guider nous, dans la vraie source, cœur content. Frères et sœurs bien-aimés, prions les uns pour les autres, plus particulièrement pour la sanctification des prêtres du diocèse des Cayes et les prêtres dans le monde entier. Et demandons au Seigneur la grâce de nous mettre à l'école de Jésus, qui est doux et humble de cœur. Remets Jésus à pas de limite. Crois en lui et n'a délivré. Qu'il en soit ainsi pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu. Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la confession des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, frères et sœurs, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Et spécialement par là, évêque Père. C'est pour aimer Jésus-Christ, toujours trouver Kéyo. Comme ça, tout côté au passé, il y a tout un vivant réflexe Christ là. Ensemble, en nous la prière. N'a la prière pour tout pays qui n'a monde là, qui vivent une crise sans pareil à cause de la pandémie coronavirus. C'est pour Sacré-Cœur
touché que tout dirigeant Mozza, et spécialement dirigeant Panouyo dans le pays d'Haïti. Comme ça, il va accompagner le peuple, tout le monde, dans la souffrance. Ensemble, on nous l'a pris. T'as pris pour t'être remis ou bien pour yoa, bah yo force à courage, pour yo pas faiblir dans la foi yo, malgré souffrance yo. Ensemble, on nous l'a pris. Tout le monde qui t'a remé là, dans la messe la matin, mais à cause du confinement, ils sont obligés à vivre la célébration la caillou à travers les médias. C'est pour grâce à la faveur, bon Dieu, par l'entremise sacré de Jésus, envahis nous et ensemble, on nous l'a pris. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Thank you.
Et serve à la réparation de nos péchés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous retournons vers le Seigneur. Notre Dieu. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous, et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Chibli, cardinal Langlois, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. En union avec tous les fidèles de la paroisse du Sacré-Cœur et en union aussi avec tous ceux et celles qui ont une dévotion au cœur sacré de Jésus, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce grand jour, partageons un signe de paix. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître, mon frère. Lui qui vit et règne avec toi, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Avec ce lieu, après nous faire vivre célébration, en solennité, Sacré-Cœur de Jésus, pour l'année 2021. Nous croyons malgré les moments difficiles, mais nous avons droit quand même pour nous dire bon Dieu merci. Oui, nous voulons dire bon Dieu merci, qui kembe nous encore en vie. Nous vivons toujours, malgré tout ça qui était annoncé, mais nous vivons toujours. Et c'est ça qui fait nous capables de rassembler. Et c'est ça qui fait ou même qui l'a créé, ou capable en communion avec nous pour célébration la messe. Nous voulons dire merci à Cardinal Chibli Langlois qui parle avec nous. Dans l'église là, mais nous connaissons qui en union avec nous dans moment ça qui a suivre la messe même genre avec toute fidèle. Et là il pas là, c'est une façon pour être capable de faire solidarité avec milliers fidèles qui en confinement la caillou. Il te partager ça avec moi. Merci en pile éminence. Nous voulons dire merci à clergé paroisse cathédrale au Caille qui présent dans la célébration. Tout d'abord le père Grenache, curé de cette paroisse, le père Dickens Fontus, à qui nous disons un grand merci d'avoir accepté à la dernière minute de présider cette célébration. Merci en pile père Dickens pour vibrer un message au Tébanon, vibrer un message ou te baille fidèle et qui te rejoigne dans sa vivre comme chrétien. Merci à tout confrère paix qui n'est pas capable là dans la célébration, mais qui te relé nous, qui est là-dedans, qui te passé ouais nous. Nous disons merci en pile. Nous disons merci à Abbé Cabral, Abbé Osmé, Sœur Rosette La Fortune. Yo même qui t'ai assuré animation la messe là. Merci à Tato pour l'accompagnement musical. Merci à Carole Chéri, Miss Carole Chéri et Altania Pierre pour la décoration de l'église. Nous t'ai dit nous pas décorer l'église mais deux fidèles ça et on t'ai dit n'a mettez un bagage quand même dans l'église là pour nous marquer fête là et pour vous faire ça très bien. Décoration de attirer l'attention. Merci en pile. Miss Carole et Altania Pierre. Une certaine apôté. On va suivre mes cela. Merci au conseil pastoral et au comité liturgique de la paroisse. Deux comités ça y est, pas jamais chômé dans le travail l'église là. C'est eux-mêmes qui toujours coordonné, qui toujours planifié, qui toujours préparé célébration, même le célébration pas gagne monde là-dedans yo même les yo même yo pas venir participer mais yo toujours prendre temps pour préparer. Merci en pile comité liturgique, conseil pastoral. Nous disons merci à Radio Mécontré et Radio Makaya, en particulier Abbé Piverly et Pierre Richard Saturne. Merci pour être nous faire nous disponible pour la retransmission de la messe. Nous avons tous fidèles qui la caillou, qui en confinement, nous dit de médias à eux. Merci, en pile, en pile. Nous pas oublié dit merci à deux, trois graines fidèles qui, malgré, n'ont pas capable d'entrer, mais ont campé devant l'église là, à suivre célébration
yo pa capable d'entrer. Merci en pile pour la foi. Merci à tout groupe à chorale qui sous paroisse. Nous connaissons dans quelle situation nous vivons, mais autant à venir que nous sommes capables de retourner, venir remplir le rôle comme chrétien, participer dans l'animation. Merci à l'entreprise du Sacré-Cœur, merci à DNB Market. Un sincère merci à tous les fidèles de la paroisse du Sacré-Cœur qui nous ont beaucoup aidés et supportés en ce moment de confinement. Chers fidèles du Sacré-Cœur, un grand merci d'avoir fait preuve de compréhension en acceptant de ne pas venir participer à cette messe. Nous savons que vous êtes en communion spirituelle avec nous. Un grand merci à Abbé René Audelin, lui-même qui t'a accompagné nous à l'hôtel pour célébration ça. Fidèle Sacré-Cœur, nous connaissons, nous t'a aimé là pour nous participer dans la messe là. C'est ça qui fait finalement nous t'a décidé pas inviter personne, pas permettre personne de venir. Même pour animation, moi pas choisi aucun animateur qui soutient dans aucun groupe à chorale. Mais nous choisi de préférence Abbé Cabral, Abbé Osmé, Sœur Osette, juste pour aucun monde, aucun groupe à chorale, pas fait jalousie. Nous même fidèles paroisse Sacré-Cœur, toujours qu'on est ferme dans la foi, pas découragé. Sacré-Cœur aime nous en pile. Quoi dans Sacré-Cœur n'a délivré. C'est une façon pour nous dire nous même fidèles Sacré-Cœur, jour délivrance pour nous retourner venir prendre place dans l'église là, venir prier, venir faire louange pour bon Dieu. Juste ça pas trop loin. C'est la foi pour nous gagner et puis continuer la prière, bon Dieu, grand maître. On a fini pendant nous a rappelé nous que après-midi a n'a gagné une grosse procession à travers les principales rues de la ville des Cadres. Cette procession partira de l'église du Sacré-Cœur en passant par la rue Nicolas Giffard. Elle tournera à gauche à la rue Toussaint L'Ouverture, à gauche à la rue Antoine Simon, à droite à la rue du Vivial, à gauche à la rue Saint-Eugène, devant l'église catholique de la Savane, à gauche à la rue Cartagena, allant jusqu'au boulevard des Quatre Chemins pour s'arrêter finalement au calvaire. C'est là que nous allons clôturer possession. Nous demandons tout le monde, tout fidèle qui sont au parcours ça, pour nous camper devant la caille, nous, pour nous la prier, les possessions à passer. Possession ça, pas bien, aucun monde à pied, aucun monde à bicyclette, à motocyclette, qui va courir des possessions. Non. Nous avons prêté la caille, nous. Possession a passé pour la caillou, a campé pour la caillou. Possession a la prière. Tout paix qui est dans la possession a la prière avec nous. D'autant plus, c'est une possession avec Saint-Sacrement. Encore une fois, nous disons merci en pile. Qu'est-ce qui est fait par la guerre? Nous pas oublier, nous pas oublier. Dis merci à l'équipe nettoyage là, qui t'a fait un bon nettoyage dans l'église là. Nous reconnaissons ça, surtout dans la période de confinement. C'est un pile nettoyage que vous faites dans l'église là pour propre. Nous dit le comité nettoyage là, merci un pile. Et tout l'autre monde que nous n'avons pas cité, connaît que nous n'avons que nous. Et remerciement nous, remerciement paroisse là, clergé là, à joindre nous. Merci un peu. Comme avec ce mur,
curé paroissien a remercié tout le monde, mais il va remercier Teddy. Sur l'occasion ça, on va profiter de l'occasion ça pour me remercier Monseigneur Alfred Bernard pour courage, pour dévouement. Et ensemble avec tout le monde qui est ensemble avec lui, Père Vinel et l'abbé Ousmé, qui t'a aidé nous vivre la réalité, ça, qui t'a venu aider nous vivre la foi. Nous avons demandé bon Dieu à travers le Sacré-Cœur pour toujours accompagner nous, toujours orienter nous, toujours guider nous dans la mission que bon Dieu confie nous. Moi, pour profiter de l'occasion, ça pour moi, souhaiter toute fidèle paroisse Sacré-Cœur une bonne fête. Malgré la situation, mais la foi nous fait nous croire dans mon Dieu et la foi nous certain que côté nous, grâce fait ça, à descendre sur nous en abondance. Comme avec ce mieux, on côté nous, nous-mêmes qui gagnons icône, cœur sacré Jésus, nous allons chanter ensemble un refrain ça, qui invite nous la prière, un refrain qui c'est toute la vie, nous, toutes nous-mêmes. Et dans un moment difficile, ça n'a pas une journée aujourd'hui, on nous chante et on fait ça avec un pile la foi, avec un pile la chance, pour que Saint Jésus soit capable de combler nous avec un pile grâce. On nous met une vie. Que Saint Sacré cœur,